Alléluia. Pour ceux qui sont là pour la première fois, nous avons un grand homme de Dieu, notre missionnaire qui réside à Bamako. For those who are here. Alléluia. Auteur-compositeur. He is a song creator. Vous allez le découvrir. You are going to discover him. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoit. L'Éternel. Tu nous as comblés de tes bienfaits. Tu nous as comblés de tes bienfaits. Vivons en toi sans regret. Et nous vivons en toi sans regret. Nous voulons crier. Nous voulons crier. Que c'est toi le roi. Que c'est toi le toi roi. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Dès maintenant et pour l'éternité. Dès maintenant. Jésus, que tu es merveilleux, ta bonne main se déploie en tout lieu, non seulement pour protéger les tiens, mais aussi pour répondre à leurs besoins. Voilà ce que tu fais pour tes enfants, ceux-là qui t'estiment plus que l'argent. Oh mon Dieu, Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoit. Tu nous as comblés de tes bienfaits et nous vivons en toi sans regret. Sans regret, nous voulons. Adoré dès maintenant et pour l'éternité. Ta majesté, ô Seigneur, est immense. Ta création étale ta puissance, et a-t-on jamais entendu parler d'un Dieu qui soit riche comme Yahweh? Quand tu possèdes la terre et les cieux, s'égalera à toi, oh mon Dieu, oh mon Dieu, Jéhovah, Jéhovah. Des temps difficiles, c'est en toi que nous trouverions asile. Car toutes les générations passées proclament tout haut ta fidélité. Seigneur, nous saurons nous saisir de toi, mettrons tout notre espérance en toi. Oh mon Dieu, Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoit. Tu nous as comblés de tes bienfaits
vivons en toi sans regret. Sans regret, nous voulons Lisons dans Genèse chapitre 15, versets 13 et 14. Let's read in Genesis 15, verse 13 and 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Then he said to Abraham, Abraham, know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs and will serve them and they will afflict them for 100 years. And also the nation whom they serve, I will judge afterward. They shall come out with great possessions. Amen. Lis-nous encore Isaïe chapitre 10, versets 12 à 19. Read again for us Isaiah chapter 10, verse 12 to 19. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples comme sur un nid. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. C'est pourquoi le Seigneur des armées, enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers. Et sous sa magnificence éclatera un embrasement, comme l'embrasement d'un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. Qui consumera corps et âme, la magnificence de sa forêt, ses campagnes. Il en sera comme des malades qui tombent en défense. Le reste des arbres de sa forêt pourrait être compté, et un enfant en écrirait le nombre. Amen. Amen. Lis Deutéronome 30, versets 5 à 10. Read for us Deutéronome 30, verse 5 to 10. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ses malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel,
ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Ésaïe 14, versets 1 à 8. Isaiah 14, reading from verse 1 to 8. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils reviendront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et domineront sur leurs oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras : Eh quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès même, les cerfs du Liban, se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Amen. Tous ces passages, all these passages, et d'autres encore, and some others, disent une seule vérité. Are proclaiming only one truth. Dieu a prévu, God has planned, un temps de délivrance. A time for deliverance. Dieu a prévu, God has planned, un temps de délivrance. A moment for deliverance. Là, tout le monde le sait. Anyone knows that. Ce que certains ne savent pas, what, some do not c'est know, que les temps de délivrance, is that the time of deliverance, sont les temps où Dieu décide de juger l'oppresseur. Are the time that God decides to judge the oppressor. La délivrance ne peut pas se produire sans jugement de ton oppresseur. Deliverance cannot happen without the judgment of the oppressor. Dieu ne peut pas te sortir de l'abîme sans juger le prince de l'abîme. God cannot take you out of the pit without judging the one who rules over the pit. Dieu nous délivre, God delivers us, en exerçant des grands jugements contre les oppresseurs. But by judging greatly the oppressors. C'est-à-dire c'est un démon. That is a demon qui domine. That a rule over. Dieu les juge. God judges them. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Pour te délivrer, to deliver you, Dieu doit combattre, God must fight, tous les esprits, all the spirits, qui dominent sur toi, that rule over you. Il a dit à Abraham, he said to Abraham, nous l'avons lu, we read it, il dit, et l'Éternel dit à Abraham, and I said, the Lord told Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. You must know that your descendants will be strangers in a land which is not theirs. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. They will be in bondage and they will be oppressed during 400 years. Mais, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. I shall judge the nation to which they have been in bondage. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. And they will come out after with great riches. Dieu va juger, God will judge, toute principauté qui domine sur toi. Any principalities that rule over you. Tu vas sortir avec des richesses. You will come out with your wealth. Quand les frères rendent témoignage, when brethren bear testimony, ne soyez pas surpris d'entendre qu'un esprit m'a remis l'argent, on m'a remis mes effets.
Do not be surprised to hear that a spirit gave me back my things or gave me back money. Certains ont été délivrés à moitié. Some have been half delivered. L'ennemi leur a dit partez, ils sont partis sans leur richesse. The enemy told them go and they went without their wealth. Quand Moïse devait sortir de l'Égypte. When Moses was to come out of Egypt. Quand Pharaon a vu que c'était sérieux. When Pharaoh saw that it was serious. Il a dit à Moïse. He told Moses. Va avec les hommes. Go with the men. Tu laisses les femmes et les enfants et toutes les brebis. And leave the women, the children and all the sheep here. Si c'était certains ici là, ils auraient chanté les louanges. Sortir et laisser les femmes, les enfants et les brebis. If it was some people here, they will sing praises and get out with the men and leave the women Moses there. Dit non. Moses said no. Pharaon lui dit. Pharaoh told him. Bon, prends les femmes, les enfants, laisse les brebis. Okay, then take the women and the children and leave the sheep. Pharaon, Moïse a dit non. Moses said no. C'est dans les brebis là que nous prendrons ce avec quoi nous allons adorer notre Dieu. Because we will take of these some of these sheep to worship our God. Vous voyez, certains n'ont même pas le transport. You know, some even do not have the fare. Ce n'est pas la volonté de Dieu. This is not the will of God. Ça va finir ce soir. This is going to finish tonight. Hallelujah. Praise the Lord. He said that you must know that I shall judge the nation which oppressed them. Et ils sortiront avec des grands biens. And they will come out with great wealth. Les biens là, même le diable, quand on adore l'ennemi là, il demande l'argent. You know, when we talk about wealth, even the devil, when you worship him, he asks money from you. Les biens font partie des éléments de l'adoration. Possessions, wealth are part of the worship. Ne les méprise pas. Do not despise them. Ne dis pas ça ne fait rien, je m'en vais, je suis sauvé. Do not say that it doesn't matter, I'm going, I'm saved. Et il faudra qu'on te paye le transport tous les jours. And people will be paying your transport every day. Vous voyez que l'ennemi veut garder les richesses. You know that the enemy wants to keep the riches. Mais Dieu ne laisse pas. But God will not leave it. Il dit ils sortiront avec de grandes richesses. He said that they will come out with great riches. Hallelujah. Praise the Lord. Et dans Isaïe chapitre 10, and in Isaiah chapter 10, il montre que il a laissé certains esprits dominer. Il a laissé l'oppresseur dominer sur toi. He's showing that he let the oppressor rule over you. Il frappait. He was striking. Parce que tu étais loin de Dieu. Because you were far from God. Il frappait. He was striking. Il rendait ta vie misérable. He made your life miserable. Maintenant tu donnes ta vie à Jésus. And now you give your life to Jesus. Il dit. He says, il va châtier l'ennemi. Il va le punir. He will punish, chastise the enemy. Parce qu'il s'est glorifié comme s'il était fort. Because the enemy glorified himself, thinking that he's strong. Alors que c'est Dieu lui-même qui l'avait laissé agir. Though it is God himself who let him act. Ce soir, tonight, tes ennemis, comme disait l'apôtre, seront sous tes pieds. Your enemies, as the apostle said, will be under your feet. Dieu prend la délivrance au sérieux. God take deliverance earnestly. Il dit. He said. Mais. But. Quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem. When the Lord would have accomplished all his work on the mountain of Zion and in Jerusalem. Je punirai le roi d'Assyrie. I shall punish the king of Assyria. Pour le fruit de son cœur orgueilleux. For the fruit of his a proud heart. Et pour l'arrogance. And for his haughtiness. Pour l'arrogance de ses regards. For the proud of his eyes. Il dit, car il dit. For they say. C'est par la force de ma main que j'ai agi. It is by my hand and by my strength that I acted. C'est par ma sagesse, car je suis intelligent. It is by my wisdom because I am intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé les trésors. I recoiled the boundaries of people and plundered their wealth. Et comme un héros, j'ai renversé ce qui a siégé sur le trône. And as a hero, I overthrew
the one who was on the throne. J'ai mis ma main sur les richesses des peuples comme sur un nid. I put my hand on the riches of the people as on a nest. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile. And as eggs that were abandoned, I gathered all the earth and no one shake the wing. Ni ouvert le bec, ni poussé un cri. And even opened the beak and cried out. Écoutez. Listen. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? The axe shall glorify himself to where the one who is using it. Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Is the saw proud to where the one who is manipulating it? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève. As the rod was moving the one who's raised it. Comme si le bois soulevait celui qui n'est pas du bois. As the wood lifted up the one which was not wood. C'est pourquoi. That's why. Le Seigneur des armées enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers. That's why the Lord God of hosts shall bring down leanness over his warriors. Écoutez. Listen carefully. Et il dit. And he said. Au verset 17. Verse 17. La lumière d'Israël deviendra un feu. The light of Israel shall become a fire. C'est-à-dire que c'est pour ça nous sommes là comme des flammes de feu. That's why we are here as flames of fire. Les anciens esclaves deviennent des flammes de feu. Old slaves becomes the flames of fires. Quand Dieu décide de sauver. When God decides to save. De racheter. And to redeem. Et il va t'utiliser. And he's going to use you. Parce que quand tu étudies bien la Bible. Because when you take a close look at the Bible. C'est même son peuple qu'il utilise encore pour frapper l'ennemi. And it is even his people that he uses to strike the enemy. Il a dit à son peuple de tuer Balaam. He told his people to kill Balaam. Il a dit à Moïse, je fais de toi Dieu pour Pharaon. He told Moses, I will make of you a God for Pharaoh. Il donne la puissance. Il dit, je vous ai donné mon pouvoir. He said, I give you my power. Hallelujah. Praise the Lord. Tu vas te tenir debout. You are going to stand on your feet. Tu vas rappeler à toutes les principautés. You are going to recall all the principalities. Derrière les idoles. Behind the idols. Derrière les goulis, les masques, les comiens, les poros, les tétépans. Behind the goulis, the masks, and the poros. Derrière les crânes. Behind the skulls. Les rivières, les montagnes. Rivers and mountains. C'est eux qui ont reçu les richesses. They are the ones who received your riches. Il sera dit que le serpent vomissait. A sister was saying that the serpent was vomiting. Sois rempli de foi. Be filled with faith. Tous tes biens et les biens de ta famille seront restitués ce soir. All your wealth will be paid back to you tonight. On a fait le renversement des principautés. Il y a un vieux, il était déjà vieux, pauvre, quand une société l'a appelé pour lui payer plus de 100 millions. Oui. Ils avaient refusé de payer son argent depuis des années. C'était les principautés. We had overthrowing of principalities. An old man to whom the company refused to pay his money was called after the prayer and he was given about 100 million. On va te restituer tes biens. You will be restituted now. Même si ta langue ne discerne plus le goût de nourriture, on doit te restituer d'abord. Even if your tongue cannot feel the taste, you will be given back your money. Dis amen. Say amen. Certains sont nés à Abidjan et ne connaissent pas le village. Tu dis seulement Seigneur, tu les connais et tu as parlé.
Some are born in Abidjan, they don't know the village. Just tell the Lord that you know me and you Dieu have spoken. Les connaît. God knows you. Il a dit Abraham, he told Abraham, tes enfants seront des esclaves. Your children will be slaves. Mais ne t'en fais pas. But don't care. Quand le temps va arriver, when the time comes, je vais les délivrer. I shall deliver them. Mais avec des grands jugements. But with great judgment. Et ils vont sortir avec des grandes richesses. And they will come out with great riches. Dis amen. Say amen. Dis je suis un enfant de Dieu. Say I'm a child of God. Vous savez l'intercession de Daniel. You know Daniel a commencé l'intercession pourquoi? Il a lu dans la Bible, en fait dans le livre du prophète Jérémie que la captivité était finie depuis 70 ans. You know how the prayer of Daniel started? He read in the book of the Lord. Le temps de captivité était déjà atteint. Les 70 ans de captivité étaient déjà atteints. He read in the book of the law that the 70 years of bondage of captivity was already reached. Dans la pratique, ils étaient toujours en captivité. But practically speaking, they were still in captivity. Il a commencé un jeûne en même temps. And he started the fasting. Quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, when you know that you are a child of God, que dans les desseins de Dieu, tu sortais avec tes biens, tu sortais avec tout. And in the purposes of God, you were to come out with all your goods. Tu guérissais des maladies. And you were healed from sicknesses. Tu guérissais des infirmités. You were healed from infirmities. Les oppressions, les maris de nuit, femmes de nuit, ça finissait le premier jour. Oppressions, night husband and night wives was to finish the same day. Donc les esprits agissent comme des bandits. So these spirits are bandits. Ils ne doivent rien te retenir. They must not retain anything from you. Même les péchés sur lesquels ils se fondaient, Jésus a pardonné. Even the sins. Even the sins on which they were grounded, Jesus has forgiven. Même ta famille qui est encore dans l'esclavage, Jésus te dit, tu es leur sacrificateur. Even your family which is still in bondage, Jesus says that you are their priest. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Satan. Je proclame. I proclaim que les coutumes, that the customs et les traditions des and hommes traditions ne sont que vanité. Are vanity. Vanité, vanité, vanité. Vanity, vanity. Vanité, 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 vanité. Vanity. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Satan. Nous détruisons ton œuvre. We destroy your work. Basé sur les coutumes. Grounded on customs. Et les traditions. And traditions. Nous les jugeons. We judge them. Nous les renversons. We overthrow them. Nous proclamons notre liberté. We proclaim our freedom. Dis, lève ta main droite, tu dis, je proclame. Raise, yeah, I proclaim. Que je suis libre. I am free. Des coutumes. From customs. Et des traditions. And traditions. Et écoutez. Listen. Ne sois pas un craintif. Do not be fearful. Que quand tu vas aller au village là. That if you go to the village. Après avoir proclamé comme tu proclames. After proclaiming as you are doing. Quand on va te dire, va laver les pieds, va laver le visage. Tu commences à trembler, tu vas laver, tu as menti. And they tell you go and wash your feet and wash your face. And you start shaking. N'obéis plus aux coutumes. Do no more obey customs. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que j'obéirai au Seigneur Jésus. J'obéirai à la parole de Dieu. I will obey the word of God. Je n'obéirai plus aux coutumes. I won't obey the customs je n'obéirai plus aux traditions. I won't obey the tradition anymore. Lève ta main droite. Raise your right au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je renverse. I overthrow. Tout ce que les coutumes ont bâti. All that the customs built. Contre moi et contre mes parents. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je renverse. I overflow. Tout ce que les traditions ont bâti. All that the tradition have built. Contre moi et contre mes parents. Through me or my parents. Maintenant, intercède en langue. And start interceding in tongues. Ora ka bagajur baga gobajur baga gobajur baga ora ka bagajur baga gobajur baga gobajur baga
Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis, vous tous, princes sataniques. Say, all of you, satanic princes. Vous tous, puissance des ténèbres. All of you, power of darkness. Esprit impur. Pure spirit. Principauté. Principality. Domination. Domination. Le jugement de Dieu contre vous. Judge in the name of Jesus. Le jugement de Dieu contre vous. We judge you. Nous vous renversons. We overthrow you. Nous vous renversons. We overthrow you. Nous brisons le règne. We break your reign. Nous cassons les trônes. We break your throne. Nous cassons les trônes. We break the throne. Nous renversons les règnes. We overthrow the reign. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Vous ne serez plus rien. You shall not do anything. Vous ne serez plus rien. You shall not do anything. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous commandons à vos captifs. We will command your captives. De sortir de la captivité. Get out of their captivity. Car Jésus les a sauvés. Because Jesus has saved them. Il est mort pour eux. He has saved them. Jésus est dit captive. Captive. Jésus-Christ est mort pour vous. Jesus died for you. À la croix du calvaire. On the cross of Calvary. Prie en langue. Let's pray in tongues. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous jugeons les sectes. We judge sects. La franc-maçonnerie. Freemason. La Rose-Croix. Rose-Croix. Les religions Rose-Croix. Orientales. Tous. All of them. Tous. All of nous them. Renversons tout. We overthrow everything. Nous libérons les captifs. We release the captives. Continue à prier en langue. Start, continue to pray in tongues. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Jésus-Christ a dit. Jesus said. Que l'ennemi vient pour voler. That the enemy came to steal. Il vient pour égorger, pour tuer. He came to kill and slaughter. Satan. Tu as trompé nos parents. You have deceived our parents. À travers des idoles. Through idols. Tu as menti que tu les protégeais. You lied saying that you are protecting que them. Que tu leur donnais la richesse. That you are giving them riches. C'est un mensonge. It's a lie. Il n'y a pas de bons diables. There's no good devil, no good devil. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous déchirons les alliances. We tear your covenants. Tout ce qui a été fait. All that have been done. Pour garder les familles sous l'esclavage. To keep family under bondage. Nous le déchirons maintenant. We tear it now. Nous sommes les prémices du Seigneur. We are the first fruit of the Lord. Nous sommes ses sacrificateurs. We are his priests. Nous jugeons tes œuvres. We judge your work. Nous jugeons tes œuvres. We judge your work. Nous jugeons les mensonges. We judge your lies. Et nous proclamons le règne de Jésus. We proclaim le règne the de Jésus. Jesus. The reign of le règne de l'amour, the reign of le règne de la richesse, the reign of le règne du salut, the reign of salvation, le règne de la paix, the reign of peace, le règne de la vérité, the reign of truth, le règne de la sainteté, the reign of solidity, le règne de Jésus, le règne de Jésus, the reign of Jesus, the reign of Jesus, le règne de Jésus, le règne de Jésus, the reign of Jesus, le règne de Jésus, the reign of Jesus. Dis au nom de Jésus, say in the name of Jesus. Principauté de la maladie, principalities of sickness. Vous tous qui produisez des maladies, all of you produce, quel que soit le nombre, whatever your quel que soit vos rangs, whatever your rank, au nom de Jésus, in the name of Jesus, nous vous jugeons, we judge you, nous vous dispersons, we scatter you, nous vous frappons, we strike you, et nous vous chassons, and we cast you, nous vous chassons, we cast you away, nous vous chassons, we cast you away, vous partez avec toutes les maladies que vous avez, and go with all your sicknesses, partez, go with all your sicknesses. Partez go with all your avec toutes les maladies, go with toutes les maladies.
Toutes les maladies. Lève ta main droite. Raise your right hand. Mari de nuit. You said night husband. Et femme de nuit. And night wife. Vous êtes jugés. You are judged. Votre règne est brisé. Your reign is broken. Nous vous chassons. We cast you out. Nous libérons vos captifs. We release your captives. Nous libérons vos captifs. We release your captives. Continue à prier. Continue to pray. Va-t'en au nom de Jésus. Des esprits de mort. C'est spirit of death. Les morts sont pour le séjour des morts. The dead are for the tomb. Tu n'habiteras plus un corps humain. You shall no more live in human body. Nous te chassons. And we cast you away. Esprit de mort. A spirit of death. Va-t'en maintenant. Go away now. Au nom de Jésus. No. Sors et va-t'en. Let out and go. Continue à prier. Dieu, au nom de Jésus, en partant, vous n'emportez rien de ce qui vous appartient. Et vous ne laissez rien de pur. Vous partez avec toute l'impureté. Et vous laissez toutes les choses voler. Au nom de Jésus, nous insistons que les choses volées restent. Nous les arrachons. Nous les récupérons. Nous vous expulsons. Dis au nom de Jésus. Nous ne vous demandons pas la permission. Nous vous commandons de partir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous d'abord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner la vie à Jésus? Is there someone who would like to give his life to Jesus? Parce que la suite demande qu'on soit dans le même esprit. Because the follow-up requires us to be in the same spirit. Si tu dois donner la vie à Jésus, lève ta main. If you must give your life to Jesus, raise your hand. Venez rapidement. Come speedily here. Venez rapidement. Come quickly here. On va vous conduire à Christ avant de continuer. We are going to lead you to Christ before we continue. Sinon vous êtes hors jeu, hors sujet même. If not, you are off subject. Venez rapidement. Come speedily. Et les autres restent concentrés. The others must be concentrated. Si tu as mal. If you have a pain. Et si tu entends une voix qui te dit va te soulager, ne va pas. If you hear a voice telling you go, I mean to do si, not go. Si tu dois vomir. If you must vomit, vomit là, nous allons nettoyer. Vomit there, we shall clean it. C'est déjà sérieux. Le démon peut te dire, sortons un peu. The demon can tell you, let's get out a bit. Venez. Come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Si pendant que je parle, while I'm speaking, ton cœur est en train de battre, if your heart is beating, c'est toi que Dieu attend. You are the one God is waiting. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Si tu rejettes Jésus, if you reject Jesus, tu n'auras plus le droit de l'invoquer. You shall no more have the right to call upon him. Tu n'auras pas la vie éternelle. And you shall not have eternal life. Et pour toi, le combat spirituel est même fini. For you, the battle is over. Parce qu'il a dit, because he said, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. He who doesn't honor
the son does not honor the father. Lève-toi et viens. Stand up and come. Ne demande pas pourquoi il est six, parce que tu es là, Dieu t'aime. Do not ask why is he insisting because you are here and the Lord loves you. Ce n'est pas moi qui insiste, c'est Dieu qui insiste. I'm not the one insisting, it is God who is insisting. Parce que j'ai beaucoup de pensées qui traversent mon esprit. Because I have many thoughts that come in my spirit. Quand je veux arrêter, une voix me dit continue. When I want to stop, a voice tells me continue. Dieu veut te sauver. God wants to save you. Lève-toi et viens. Rise up and come. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je t'arrache dans les mains du diable. I snatch you from the hand of the devil. Lève-toi et viens. Stand up and come. Acclamez pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Tenons-nous debout. Let's stand on our feet. Vous levez vos mains. Raise your hand. Nous allons d'abord prier pour vous avant de continuer la prière. First of all, we are going to pray for you before we continue the prayer. Vous qui êtes debout là. Who, you who are standing here. Ne demandez rien à Dieu. Do not ask anything to même God. Si vous êtes malade, ne lui demandez rien. Even if you are sick, do not ask him anything. Confessez seulement vos péchés. Just confess your sins. Tous ces frères-ci. All the brethren here vont intercéder pour vous. Are going to intercede for you. Et Dieu va exaucer. And God will grant it. Il a dit si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose à mon nom, la chose leur sera donnée. He said that if two among you get together to ask something on this earth, it will be given. Disons au Seigneur que nous, ils ont été invités, ils sont venus. Let's tell the Lord that they have been invited and they came. Et ils t'ont glorifié, ils sont montés humblement. They have glorified the name of the Lord. They have come up here. Ils ont laissé le moi. They let down the self. Ils croient en toi. And they believe in you. Disons au Seigneur, même s'ils sont faibles, pardonne. Let tell the Lord, even if they are weak, forgive. Pardonne tous leurs péchés. Forgive all the sins. Tout ce qu'ils ont commis avant ce jour. All that the sins they have committed before this day. Demandons au Seigneur de laver chacun d'entre eux. Let's ask the Lord to wash each one of them. Après nous allons intercéder que tous les plans de Dieu pour eux soient accomplis. And after we'll intercede that all the plans of God for them be fulfilled. Parce que Dieu a un plan pour chacun. Because God has a plan for each of them. Le plan doit s'accomplir. The plan for each of you. Ce qu'il avait prévu. What he has planned. Le jour de ta conversion. The day of your conversion. Doit s'accomplir. Must be fulfilled. Tu seras libre. You shall be free. Tu auras des chants d'action de grâce. You will have songs of thanksgiving. Prions ensemble. Let's pray together. Continue à demander. Dites Seigneur Jésus, pardonne-moi. Say Lord Jesus, forgive me. Dis Seigneur, pardonne-moi. Lord, forgive me. Seigneur, pardonne-moi. Vous dites Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne tous mes péchés. En parole, en pensée, en acte. En parole, en pensée, en acte. Forgive all my sins. En parole, en pensée, en words, in spirit, in tous mes péchés. In words, dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Forgive me, Lord, forgive me. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Ask God to forgive you. Demandez pardon à Dieu. Nous vous proclamons libre, libre. Claim you. Et nous vous bénissons, nous vous bénissons. And we bless you. Amen. Amen. Maintenant, chacun pose la main sur sa tête. And each one lay his hand on his head. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je reçois ta guérison. I receive your healing. Je reçois ta guérison. I receive your healing. Intercédons à langue que le Seigneur guérisse chaque frère. Let intercede in tongue. That the Lord heal each brother. The malady. Say sickness. Je te chasse de mon corps. I cast you out of my body. Va-t'en. Go away. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Continuons à intercéder. Let's continue to intercede. Dis, je proclame. Say, I proclaim que mon corps est le temple du Seigneur. That my body is the temple of the Lord. Il n'est pas le temple de la maladie. It's not a temple of sickness. Dis maladie. Say sickness. Va-t'en. Go away. Et quand on va intercéder,
tu poses la main là où tu souffres. Si c'est dans un endroit délicat, tu poses, tu gardes ta main sur ta tête. If, when we mais il faut croire à ce que tu demandes. When we pray, you lay your hand where you feel the pain. Il faut croire à ce que tu demandes. And you must believe what you are asking. Dis amen. Say amen. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je consacre mon corps à Jésus. I devote my je le sépare des maladies. I'm separating myself from je sépare mon corps des fibromes. I separate myself from fibrin. Je sépare mon corps des fibromes. I separate my body from fibrin. Je sépare mon corps du diabète. I separate my body from diabetes. Diabète, je te chasse au nom de Jésus. Diabetes, I cast you out in the name of Jesus. Je sépare mon corps du cancer. I separate my body from cancer. Toutes sortes de cancers. All kinds of cancer. Je te chasse au nom de Jésus Christ. I cast you out in the name of Jesus. Je proclame que mon corps appartient à Jésus. My body belongs to Jesus. Mon corps appartient à Jésus. My body belongs to Jesus. Je me sépare de l'hypertension. I separate you from hypertension. Je chasse l'hypertension. I cast out je proclame I proclaim que mon corps appartient à Jésus. That my body belongs to mon Jesus. Corps appartient à Jésus. My body belongs to Jesus. Dieu au nom de Jésus. So in the name of Jesus. Je me sépare de l'épilepsie. I separate myself je me sépare from de l'épilepsie. I separate myself je chasse from l'épilepsie. I cast away the spirit et l'esprit of derrière l'épilepsie. And the spirit je te chasse au nom de Jésus Christ. I cast you in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus Christ. Say in the name of Jesus. Je me lève contre les hépatites. I rise from hepatitis. Je proclame I proclaim que Jésus a vaincu toutes sortes d'hépatites. That Jesus have overcome all kinds je of hepatitis. Je sépare mon corps des hépatites. I separate my body from hepatitis. Je chasse I cast away. Toute hépatite dans mon corps. No more hepatitis je proclame in my que body. Mon corps appartient à Jésus. My body is for Jesus. Mon corps appartient à Jésus. My body belongs to Jesus. Mon corps appartient à Jésus. My body belongs to Jesus. Mon corps appartient à Jésus. My body belongs to Jesus. Dieu au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que les trompes s'ouvrent. Let my tube be que open. Que les trompes s'ouvrent. Tubes be open. Que les stériles accouchent. That all the barren. Que les stériles enfantent. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Continue à prier en langue. Continue to pray in tongues. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Sida. AIDS. Veille à Sida. AIDS. Je te juge. We judge you. Je te chasse de chaque corps. We cast you away from each body. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Continuons à intercéder à let's continue to intercede. Ala bashar ba kashar ga ba kashar ga ba. Ora ga ba kashar ga ga ba kashar ga ga ba. Ora ga ba kashar ga ga ba kashar ga ga ba. Ora ga ba kashar ga ga ba kashar ga ga ba. Dis au nom de Jésus que tous les maux d'articulation soient guéris au nom de Jésus-Christ. Let all the pain of articulation be healed in the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Nous jugeons la paralytique, la paralysie. Judge. Nous guérissons tous ceux qui sont atteints de paralysie. We heal all those who nous libérons leurs membres. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Continue à prier en langue. Jurga baga sarga laga baga surga laga baga surga laga baga jurga baga surga laga baga sarga laga baga jurga baga sarga laga baga sarga laga baga Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je brise le joug. I break the yoke. De l'hérédité. Je chasse toutes les maladies héréditaires. I cast all sickness au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Asseyons-nous. Let's get seated. Garde le calme. Keep quiet. Vous attendez quelques minutes. You wait a few minutes. Qui a quelque chose à dire? Who has something to say? Acclamons d'abord pour Jésus-Christ. Let's first clap for Jesus. Qui a quelque chose à dire? Who has something to say? Viens rapidement. Come in, speedily. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwasi Chantal et je faisais le disciple pasteur de Joseph. Gloire à Dieu. Vraiment, le Seigneur vient de me délivrer.
Frère, quand nous avons entamé le jeûne, j'ai eu un songe. Et dans le songe, il y avait une lutte entre l'Église et les membres de ma famille. Les gens luttaient. Bon, eux, ils me réclamaient, l'Église aussi me réclamait. Quelqu'un a dit comme ça que, vous pensez que Chantal va se marier dans votre Église? Non, parce que son cordon ombilical se trouve au campement, c'est-à-dire là où je suis née. Et l'Église a dit que je vais rester avec vous, gloire à Dieu. Et tout à l'heure, lorsqu'on priait, vraiment, j'ai eu une vision. Et dans la vision, excusez-moi, dans le songe, pendant que l'Église luttait avec les membres de ma famille, quelqu'un est sorti entre les membres de ma famille et il a mis une alliance sur mon doigt. Et tout à l'heure... Attendez. Elle dit que ce n'est pas encore fini. Et tout à l'heure, lorsqu'on priait, dans le songe, je n'avais pas vu le visage de la personne qui est venue mettre l'alliance. Mais tout à l'heure, lorsqu'on priait, j'ai eu une vision. Et dans la vision, c'est-à-dire que le même songe s'est répété. Et la personne qui est sortie entre les membres de ma famille pour venir mettre l'alliance, c'était mon grand-père. Gloire à Dieu. Et mon grand-père, il est mort depuis 2014. Mais tout à l'heure, lorsqu'on priait, vraiment, le Seigneur a agi. Il est venu. Frère, depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas coco dans ma famille pour dire d'autres. Et nous sommes malheureux. Mais tout à l'heure, mon grand-père partait, il me disait, c'est moi qui vous ai marié, c'est pourquoi vous ne vous mariez pas. Mais aujourd'hui, j'enlève l'alliance et je m'en vais. Je vous libère. Alléluia. Je veux rendre gloire au Seigneur pour cette délivrance qu'il vient de m'accorder. Que l'honneur et l'élévation lui soient dus au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui ont le discernement et en écoutant les témoignages, for those who have discerning and when listening testimonies, Dieu est en train de nous bénir. God is blessing us. Beaucoup de démons fuient sans résister. Many demons flee without resisting. Vous avez vu le grand-père de la sœur, il est parti sans même troubler les gens. You see the grandfather or the sister, he went without even troubling people. Et demeurons dans cet esprit. And let's remain in that spirit. Aucun esprit ne va résister. No spirit will resist. Demain nous combattons contre les idoles, les esprits, les principautés, les hommes forts, les princes sataniques. Tomorrow we'll be fighting against the idols, the spirit principalities, strong men and satanic powers. Dieu a déjà décidé qu'ils doivent être punis. God has already decided that they should be chastised. Et tu es l'instrument principal de combat. You are the main tool of the battle. Car pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, to take for the children of Israel to get out of Egypt. C'est Moïse qui était physiquement devant. It was Moses who was before, I mean in the front, physically. Pour traverser la mer Rouge. To cross the Red Sea. C'est Moïse qui lève la verge. It was Moses who raised the road up. Les croyants participent à leur restauration. Believers take part in their restoration. Tu ne dois pas être passif. You must not be passive. Dieu t'a révélé que tu es libre. God has revealed you that you are free. Il te dit voici ton territoire. He said, here is your territory. Si tu dors, if you sleep, tu vas perdre. You shall lose. Alléluia. Praise the Lord. Tous ces esprits, les silures, les serpents, les reptiles qu'on adore, il faut renverser, démolir les forteresses. All these spirits of creeping things and serpents, they must be overthrown and all the fortresses must be destroyed. Nous allons prier de telle sorte que les anges vont entrer dans les maisons, opérer ce qu'ils, même si c'est le cancer, et même ils enlèvent. We will pray in such a way that
Even the angels will come down in the houses of brethren and make operation for cancers and any sicknesses. Si tu veux, demande au Seigneur de te donner le don de vision. If you want, you can ask for the Lord to give you the gift of vision. Il y aura des moments où tu verras là, le combat, quand on combat là, tu, comme les autres là, quand on prie là, ils voient comment le diable est à terre. There will be times at which you will see the fight, the way the fight is happening. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Je vous dis, le Seigneur est en train de travailler. I tell you, the Lord is working. Continuez la sanctification. Continue to sanctify yourself. Il fait de nous les flammes de feu. He makes of us flames of fire. Et c'est avec nous qu'il punit l'oppresseur. And he uses us to punish the oppressor. Pas de rancune, pas d'inquiétude. No worry, pas de tristesse. No sadness. Soyez toujours joyeux. Be always joyful. Si on t'annonce une mauvaise nouvelle, if they give you a bad news, dis gloire à Dieu. Just say glory to the Lord. Le diable, the devil, est rusé. Is cunning. Quand les enfants, quand Dieu a dit à Balaam, when God told Balaam qu'il ne peut pas maudire Israël, that he cannot curse Israel, Balaam a pris l'argent de Balak. Balaam took the money of Balak. Et il lui a dit, bon, je vais te donner un secret. And he said, okay, I'm going to give you a secret. Je n'ai pas pu les maudire. I couldn't curse them. Mais leur Dieu n'aime pas l'idolâtrie. But their God doesn't like idolatry. Et l'immoralité sexuelle. And sexual immorality. Donc, envoyez leurs filles chercher leurs garçons. Ça, vous aurez la victoire. So bring your girls to lie with their boys. Quand vous préparez, invitez-les. When you cook, just invite them. C'est tout ce que je peux faire maintenant. That's all that I can do now. Et ils ont fait ça. And they did it. Et ils ont battu Israël. And parce que là, c'est Dieu même qui frappait. They defeated Israel because it's God himself who was striking. Et beaucoup sont morts. And many died. Donc, le diable sait que cette bataille que nous avons commencée va continuer. Et parce que les révélations ne font que venir. Il va donner un secret à ses enfants. Il va dire, il faut les provoquer. Ceux-là, et non, le moi n'est pas brisé. Provoquez-les. The devil is going to give a secret because he knows that this battle we have started will continue. So he'll give a secret about you and tell the other people, just provoke them because their self is not broken yet. Un peu de colère, tu es disqualifié. Just a bit of anger, you are disqualified. Pour certains, ceux qui se masturbent, ça sera comme si tu ne te masturbes pas dans les secondes qui viennent, tu vas mourir. Meurs, on va t'enterrer avec gloire. For those who masturbate themselves, it will be as if you don't masturbate yourself in the seconds that follows, you will die. Die and you will be buried in glory. L'histoire retiendra. The history shall retain. Il a abandonné radicalement le péché, il est mort. That he has radically abandoned sin and he has died. Mais pour te dire la vérité, tu ne mourras pas. And to tell you the truth, you shall tu not die. Tu seras plus fort que le diable. You will be stronger than the devil. Quand tu es tenté, when you are tempted, résiste. Resist. C'est le diable qui sait qu'un peu de péché peut lever la patte. The devil knows that just a bit of sin can destroy everything. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you.